Bonjour et bienvenue dans Strasse la vie, l'émission qui interviewe pour la vie des Strasbourgeois. C'est parti, on va interviewer des gens. Tu me suis quand même un peu. Tu choisis les premiers? La fille en robe là-bas. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Non. Je ne sais pas, je ne parle pas français. Bonjour, excusez-moi, vous parlez français? Oh, I don't speak. You don't speak French? Ok. Vous trouvez des gens qui parlent français quand même. Bonjour, excusez-moi, vous parlez français? Non. Est-ce que vous auriez juste 5 minutes à m'accorder s'il vous plaît? Non. Bah, bonne journée. Et j'aurais pas pensé que ça serait été aussi dur, c'est pas possible. Several bad puns later. Bonjour, excusez-moi, vous parlez français? Oui. Est-ce que vous auriez 5 petites minutes à m'accorder? Oui. Alors tout d'abord, j'aimerais juste vous présenter un petit peu, surtout si vous venez de Strasbourg ou si vous êtes touriste. Alors nous sommes touristes, nous arrivons du Grand Ouest, d'Écouflant dans le Maine-et-Loire. On habite à Strasbourg, mais on n'est pas d'origine strasbourgeoise. Je suis strasbourgeois d'adoption. Je suis arrivé à Strasbourg à l'âge de 8 ans. Je viens de d'Orbay, à côté de Colmar. Est-ce que vous êtes d'origine de Strasbourg? D'un côté, ouais, on va dire ça comme ça. Moi, j'habite à Mundolsheim. J'habite à Strasbourg et je viens de Strasbourg. Moi, Niedersbergen. Moi, Lampertheim. Strasbourg, ouais. Strasbourg centre. Je suis alsacienne, mais pas de Strasbourg. Et pareil. Alors, première question, très simple. La première chose qui vous vient à l'esprit, quand je vous dis Strasbourg, vous me dites quoi? La cathédrale. Lafayette. Les Halles. Place Kléber. Cathédrale. Capitale européenne. Chocolat. Cathédrale. La cathédrale. Ville étudiante. Bah, on est quand même capitale européenne. Son patrimoine, la cathédrale, la petite France. Si je vous dis Strasbourg, vous me dites capitale de l'Europe. Voilà, exactement. Cathédrale, la cathédrale, ouais. Cathédrale. Cette fois, si je vous dis Alsace, vous me dites Grand Est. Moi, choucroute. Bretzel. Les cigognes. Ah oui, les cigognes. Patrimoine. Elsace Rail. Knack. Les bretzel. Cave à vin. Les cigognes. Non. Okay, c'était une synchronisation parfaite. La charcuterie. Tout ce qui est bouffe, ok, ça passe. Ouais, charcuterie, vin. Si je vous dis Alsace, vous me dites quoi? Flamenkisch. Bah, la France. Donc non, voilà. Non, pas de problème. Merci. Ça dure 5 minutes si jamais. Non. Bon, non, bah, bonne journée bien. Alors. Et encore un échec. C'est parti, on ne perd pas la morale. Bonjour. Est-ce que vous aurez 5 minutes? Non. 2? 1? Alors maintenant, quels sont pour vous les clichés de Strasbourg et est-ce qu'ils sont vrais? Que les Alsaciens votent de droite, c'est pas vrai. Bah, l'accent alsacien hyper prononcé chez tout le monde, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est allemand alors qu'on n'est pas allemand. J'allais dire, ouais. Non, mais on parle pas allemand donc faut arrêter de penser ça. Qui est maison à colombage, tarte flambée, le bel accent et. Ouais, quand même un peu cliché, mais c'est vrai quoi. Les clichés, il y en a beaucoup de personnes encore qui croient qu'on est un peu des casques à pointe, mais c'est pas du tout ça, quoi. D'accord. Ils sont même très étonnés, même. Quels sont pour vous les clichés de Strasbourg? Bah, le Parlement européen, c'est un cliché. Les cigognes, bien sûr, mais également toutes les maisons de couleur. Et on peut y ajouter aussi, puisque nos filles sont venues en hiver, sur les marchés de Noël, qui est aussi une reconnaissance nationale et internationale. Ils aiment bien manger tout ce qui est charcuterie, et c'est vrai. Ouais, on a un bon terroir, quoi. C'est ouais, ça, en gros. On a que des pochetrons. Ouais. Et qu'on n'est pas ouvert d'esprit. Ça, c'est un cliché aussi. Les Alsaciens, ils sont pas ouverts d'esprit. Ah bon. Mais moi, je pense pas du tout. Enfin, on est ouvert d'esprit, justement, je trouve. Est-ce que vous avez entendu parler de Strasbourg et de l'Alsace avant de venir? Et du coup, qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, oui, nous avons entendu parler, bien sûr, de l'Alsace et notamment de Strasbourg. Strasbourg, c'est la frontière aussi avec l'Allemagne. Donc, c'est un trait d'union fort entre la France et l'Allemagne. Voilà. Et puis, le Rhin est quand même un fleuve important qui lie la France et l'Allemagne. Pour vous, quels sont les clichés de l'Alsace et du coup, est-ce qu'ils sont réels? Qu'on est trop culture allemande et... qu'on n'est pas très français. Étant donné que ma grand-mère, elle est d'origine allemande, bah, elle me disait souvent que c'est une région qui était pendant très longtemps ralliée à l'Allemagne. Et oui. Tout le monde parle allemand. Alors j'ai choisi l'espagnol comme LV2. C'est des Allemands. Strasbourg, c'est des Allemands? Ouais, c'était en Allemagne, j'ai déjà entendu. L'accent, ouais, bon, ça c'est vrai quand même, dans les villages. En négatif, ces derniers temps, c'est que c'est vraiment une ville qui devient de plus en plus chère, au niveau du logement et tout. On va dire 99,9% les gens sont très très contents de la ville, qui est très belle, très accueillante, très cosmopolite. Enfin, ils sont très très étonnés. Bah, qu'ils aimeraient bien y aller. Enfin, moi je sais que j'avais des amis dans le sud. Et ils m'ont souvent dit, quand je dis que je viens d'Alsace, etc., ils me disent « Ah oui, Strasbourg ». Enfin, quand je parle d'Alsace, ils ne savent pas trop, mais quand je dis Strasbourg, ils sont tout de suite là « Ah oui, on sait ce que c'est, machin ». Et ils ont tous envie d'y aller, quoi. Okay. Oui, puis que c'est une ville étudiante, qu'on s'amuse en général, quoi. En général, c'est ça. Si vous voulez donner envie à quelqu'un de venir travailler ou vivre à Strasbourg, qu'est-ce que vous lui diriez?
Qu'au niveau culturel, il y a pas mal, beaucoup d'offres, je trouve, quand même, au niveau théâtre. Moi, j'ai des enfants, je vois même pour les enfants, il y a beaucoup de choses à faire. Puis au niveau de la nature, on est vite à l'extérieur pour faire des trucs vraiment chouettes. Que c'est bien sympa, qu'on a de la bonne bouffe et beaucoup de bière, c'est cool. Ça sent la pochetronne. Non. Si. On est sympa quand même. La bonne nourriture. La culture, la diversité avec l'Allemagne à côté. Strasbourg, c'est magnifique déjà. Ça peut ouvrir plein de portes. On a des universités importantes et puis il y a le Parlement européen aussi. L'architecture, elle est super jolie. C'est une des plus belles villes de France et une des plus grandes aussi. C'est à côté de l'Allemagne et il y a pas de chômage en Allemagne, donc si tu veux un travail, tu trouves pas Strasbourg en Allemagne. C'est vrai que dans les petites ruelles, quand on se perd un peu, c'est assez joli. Il y a un tram. Ça, c'est un super argument. Merci beaucoup. C'est une ville multiculturelle, donc tout le monde se fait intégrer, vu qu'il y a beaucoup de populations qui vivent en communauté. Donc chacun peut trouver sa place. Déjà, la richesse culturelle qu'on a en Alsace, avec le paysage... on a des panoramas, ils sont magnifiques. On est entouré de la forêt noire et des Vosges. L'histoire qui est ancrée ici. Et puis, l'Alsace, c'est vraiment. On s'ennuie pas, quoi. Le Parlement européen. L'architecture, tout ça, quoi. Et que c'est la capitale européenne, quoi. Un climat très agréable, puis aussi une luminosité, des paysages extraordinaires et un accueil très chaleureux des Strasbourgeois et de l'Alsace. Donc voilà, venez ici, il fait vraiment, vraiment très beau. Il faut venir pour voir. Il y a tout ce qu'il faut à Strasbourg, il manque juste la mer. Alors maintenant, on va interviewer un ami que j'ai depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de Strasbourg ? Je suis tout à fait d'accord. Alors j'espère que cette première vidéo de Straslavie vous a plu. En tout cas, il y en aura d'autres. Et puis pour moi, c'était un plaisir de me prendre des vents par un nombre de personnes incalculables. Mais c'était aussi un plaisir de rencontrer plein de gens super et de discuter à propos de la ville et des clichés de Strasbourg et d'entendre un bip bip de camion là qui casse les couilles. Enfin bref, c'était tout. Et puis voilà, bisous les copains. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Alors juste dernier quelques petits mots, ceci me servira pour mes recherches de mémoire. En attendant, je vous invite à partager la vidéo, mais surtout à commenter, vous aussi à répondre aux questions que je pose dans l'interview. Ça peut toujours m'aider à donner toujours plus de réponses, et dites-moi quels sont pour vous du coup les clichés de Strasbourg, à quoi vous faites penser Strasbourg, l'Alsace, etc. Enfin bref, je suis désolé pour les personnes qui ne s'en sont pas vues dans la vidéo, je n'ai pas tout mis pour éviter de faire une vidéo beaucoup trop longue, je préfère en faire deux plus courtes, il y en aura donc une deuxième qui sortira la semaine prochaine. Allez, c'était tout pour moi, merci à tous d'avoir participé, c'était super cool.